Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre le 5. La première étape, c'est la roulade sur le côté. Faites-la jusqu'à ce que vous l'ayez par contre. La deuxième étape, c'est le plongeon roulade sur le côté. Donc, la troisième étape, c'est vous faites un mini side flip atterri sur le dos sans grouper. Donc là, vous faites la même chose, mais au lieu de rester sur le dos, vous atterrissez sur les pieds. Donc la prochaine et quatrième étape, c'est vous faites un mini side flip atterri sur les pieds en groupant. Mais je vous conseille de vous donner un mini bounce juste avant. Donc la prochaine et cinquième étape, c'est un side flip, mais vous atterrissez sur le côté. Donc la sixième étape, c'est vous faites la même chose que la cinquième étape, mais vous allez vous relever juste après. Donc la prochaine étape, c'est la même chose, mais vous atterrissez sur le côté, mais aussi sur les fesses. Bref, vous allez voir. Donc la neuvième étape, c'est vous faites un side flip, mais vous atterrissez sur les genoux. Donc, la dixième étape, c'est vous faites un side flip sans élan, comme ça, quand vous allez le faire avec bounce, vous allez être meilleur. Et vous essayez d'atterrir les pieds en premier, si vous êtes capable. Donc, la onzième étape, celle que vous attendez tous, le side flip avec bounce ou sans bounce. Donc, on a fait quelques erreurs dans la vidéo. Donc on vous montre les bloopers de l'étape 11, celle que vous attendez tous, le side flip. Oh mais je leur apprends du side flip mais ils sont même plus, mais je suis même pas capable. J'avoue. Oh non. Oh, mais... Merci au caméraman qui a pu filmer cette vidéo. Et n'oubliez pas de s'abonner à sa chaîne Hockey Pro. Il y a également des vidéos avec moi. Bye.